Bonjour, c'est CryptoLise. bienvenue dans la Crypto News, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto. Et justement, avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, liker, partager la vidéo, ça aide beaucoup au référencement et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On attaque tout de suite avec les nouvelles. Tout va mal. En tout cas, c'est ce qu'on entend si on écoute BlackRock, JP Morgan, Bank of America. Tous prévoient en fait une récession en 2023. Il s'agit. Je cite hein. il s'agit à notre avis de l'environnement mondial le plus tendu depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons la coopération géopolitique et la mondialisation évolue vers un monde fragmenté avec des blocs concurrents. Ça se fait au détriment de l'efficacité économique. Oui, c'est vrai que actuellement on a bien une séparation d'un certain nombre de blocs qui est effective avec on va dire un grand perdant qui est majoritairement quand même l'Europe. Et ce qui est intéressant c'est de voir que cette information là revient régulièrement dans euh, les médias et c'est quelque chose qui est très très récurrent. Le seul euh, La seule différence c'est que là en effet, il bah, y a la banque américaine, la Bank of America, qui euh, va aussi dans ce sens-là en même temps. C'était compliqué de dire l'inverse euh, en état. Je vous invite à regarder la vidéo de samedi, donc l'hebdomadaire que j'ai effectué, pour essayer de couvrir un petit peu cette vision-là et la notion de narratif très fort que nous avons actuellement au niveau du marché, qui est très ambigu, et qui est un petit peu particulier, propre à une fin d'année et à une forme de paradigme dans lequel on aura une réponse euh, cette semaine avec notamment les chiffres euh, du FOMC ainsi que l'inflation ainsi que le PMI. Globalement, on a beaucoup beaucoup de choses cette semaine qui vont faire mal ou du bien au marché, au choix. Dans tous les cas, on aura des réponses. On va continuer nos petites nouvelles avec Ethereum qui va avoir un nouveau langage pour les validateurs pour notamment avoir la possibilité euh, d'avoir un validateur en Rust avec la société qui s'appelle Paradigm. Donc Paradigm a lancé Reds qui est euh, en fait R pour Rust, ETH pour Ethereum. Donc voilà, petit jeu de mots mais donc qui est un validateur basé sur du Rust. Et justement, Rust fait... Beaucoup parlé de lui au niveau du Web3, avec euh, notamment son implémentation dans d'énormes blockchains et qui est très présent dans euh, le développement autour du Web3. On voit qu'il est même présent dans la validation d'Ethereum. On avance et on avance avec Solana. Solana qui, on parlait d'Ethereum, euh, est en train de rattraper fortement Ethereum au niveau du mintage des différents NFT. Alors il faut prendre en considération que Solana ayant des défis très très faibles, on a énormément de bots de mintage qui se trouvent sur euh, Solana et donc forcément on a énormément de mintage qui se fait en plus à travers une version automatisée sur Solana mais néanmoins on voit que Solana a quand même une place prépondérante dans l'utilisation des NFT. Et justement par parlant de Solana on va se poser la question de Solen. Solen qui est une des grosses plateformes de Solana et qui a été impacté par FTX, ils ont fait un énorme poste qui est très intéressant sur l'implication et sur tout ce qui s'est passé purement au niveau de Solend, au niveau bah, du crash de FTX et ce qui se passe par la suite. Il détaille absolument tout il explique comment il règle les situations comment il ne les règle pas ou ce qui est euh, voilà un, un petit peu compliqué il y a vraiment absolument tout qui est effectué je trouve que c'est un très bel exercice de transparence qui nous a été donné et justement ça nous permet de nous faire une bonne vision du protocole Solana et de ce qui se passe dans l'écosystème Solana en tout cas Super taf au niveau de Solène. Déjà, ils ont réussi à maintenir euh, avec la pression colossale qu'il y a eu suite au crash de FTX et au short massif sur du perpétuel sur euh, le sol. On réussi à maintenir les opérations et à limiter grandement la casse avec un gros souci de transparence. Donc un beau travail. On avance avec un scandale qui est en train d'avoir lieu, qui est euh, The Block. Donc le CEO part au niveau de The Block, alors il part pas pour rien, il part parce qu'il a reçu 26, je crois, ou 28, 28 millions de dollars de SBF, qui pourrait d'ailleurs euh, être partiellement investi au Bahamas dans une propriété. Néanmoins, le CEO est parti, et là-dessus, il y a. Voilà, ça, ça, ça fait couler beaucoup d'encre sur justement le fait que euh, The Block, qui est quand même un des médias principaux niveau des crypto-monnaies qui est un des premiers à avoir les informations avec Condesk généralement bah forcément on va avoir euh, une discussion sur la notion de parti pris qu'a eu The Block sur la couverture d'autres blockchains ou la couverture de FTX ou la couverture du FTT d'ordre général et là c'est quelque chose qui est général c'est à dire que quand on regarde un petit peu et qu'on prend un petit peu de recul au niveau de FTX quand on regarde l'implication que SBF a eu avec les politiques avec, alors que ce soit euh, démocrate ou, ou républicain, il hein, y a eu les deux, certes, il a financé grandement les démocrates, mais n'empêche, il euh, y a eu quand même beaucoup de versements aussi aux républicains, les différents médias. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que ça continue Est-ce que d'autres personnes font la même chose C'est la grande question qu'il faut se poser maintenant, mais en tout cas, ça commence à sortir et je pense que ça continuera à sortir au fur et à mesure. Ensuite, nous avons Grayskell qui passe à l'offensive et qui attaque justement la SEC pour pouvoir passer en ETF, à savoir que plusieurs fois, Grayscale souhaitait passer sous une forme d'ETF, BTC, spot et ça a toujours été refusé. L'avantage d'un ETF, c'est que c'est un tracker, donc à ce moment-là, ça représente directement le cours du BTC et il n'y a pas de frais de gestion, en tout cas des frais minimes. C'est quelque chose qui est intéressant et ce serait justement un très bon pas pour l'ensemble de la crypto-monnaie. Et là, ils commencent à avoir des gros échanges qui sont effectués entre justement GrayScale et la SEC avec des différents échanges sur la raison de l'arrêt, enfin en tout cas de la non-conformité, de la non-validation de l'ETF. Non en tout cas, GrayScale ne le laisserait pas passer. Quoi qu'il arrive, actuellement ils veulent impérativement pouvoir passer en ETF. Et ça, je pense que ça va être leur mission de l'année 2023. Ensuite, on avance avec une série de levées de fonds. Et oui, forcément, il n'y a pas que du mauvais. On a TechCrunch donc qui est une société spécialisée. Alors TechCrunch nous remonte l'information que MetaGood qui est une société spécialisée dans les NFT a fait une levée de fonds de 5 millions de dollars pour justement développer leur solution. Ensuite, nous avons Earn Islands Alliance qui a levé 4.75 millions de dollars pour euh, Je dois créer une interconnexion entre les développeurs de jeux et euh, les joueurs, et nous avons un très beau poste. J'accélère un petit peu pour gagner du temps. Etherworld qui nous propose un post sur Shanghai qui nous résume absolument tout ce qu'il y a à savoir sur cette update importante. Je rappelle, Shanghai, c'est euh, la libération des tokens qui sont en stacking sur, enfin, qui, qui sont en stacking sur le Proof of Work, donc sur les validateurs. Les validateurs pourront, avec un certain euh, volume euh, journalier, retirer une partie des tokens euh, s'ils le souhaitent, à savoir que c'est loqué depuis déjà très longtemps. Il y en a qui sont quand même en positif depuis très longtemps, donc forcément, on va avoir à un moment donné une sortie d'Ethereum, mais ça risque d'être peut-être moindre. Donc, je vous propose ce thread-là, dans lequel nous avons la totalité, parce qu'il n'y a pas que ça au niveau de Shanghai. Il y a des améliorations qui sont effectuées et nous avons ici la timeline du lancement. Donc, toujours important à prendre en compte si vous êtes intéressé. Ensuite, nous avons crypto.com qui nous montre son proof of reserve, donc qui a été effectué aussi par Mazar Group. Mazar Group, je rappelle que c'est le groupe, euh, qui a fait aussi celui de Binance, et je pense qu'on le retrouvera dans de nombreux, et nous avons les réserves ratios qui sont tous au-dessus de 100%, donc c'est-à-dire que ils maintiennent les assets de leurs clients en l'état, et ils ont même plus pour pouvoir couvrir. Alors je rappelle que moi les pauvres réserves, je suis forcément un petit peu dubitatif dessus, parce que c'est une représentation des liquidités, oui. Moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel est, quelle est l'état de ces liquidités par rapport à l'état des dettes effectives des différentes blockchains et des différents exchanges, c'est plutôt ça qui est intéressant. Et malheureusement, ça, je pense qu'on n'aura pas l'information. Ensuite, nous avons la version 13 d'Osposis, très intéressante qui offre quelque chose qui est le stable swap qui permet justement dans une modification de leur aam donc qui est l'automated market maker qui permet de gérer les poules de liquidité quand on fait un transfert sur un échange décentralisé c'est ce qui permet euh, que le cours reste stable. Voilà. ils ont modifié leur algorithme avec une innovation justement qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui permet justement d'avoir des échanges stables avec euh, justement une différence de prix Très faible, même si on a un gros volume ou une faible liquidité, ce qui est très intéressant. Je vous invite à regarder ce thread parce qu'il couvre beaucoup d'autres choses avec notamment l'amélioration de l'IBC qui est important dans la notion, dans l'écosystème Cosmos qui permet l'interopérabilité et la communication. Et nous avons Nomad. Et oui, Nomad revient. Je rappelle Nomad est un bridge qui avait été hack pour plus de 140 millions de dollars. Euh, il est remis en ligne après quand même quelques mois. On n'est pas loin de quatre mois depuis euh, le hack. Donc ça a mis énormément de temps. Est-ce que ça va réussir à survivre C'est la grande question que je me pose. Euh, quel est euh, le, le taux d'utilisation d'un bridge après un hack À savoir que un bridge doit fonctionner avec des liquidités. Donc qui va déposer des liquidités sur ce bridge-là À savoir qu'il y a déjà eu un hack. Alors oui, c'est vrai, la foudre tombe rarement deux fois au même endroit, mais est-ce que c'est aussi la vérité au niveau des hacks Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on va terminer sur Maple Finance, donc qui a bien 54 millions de dettes actuellement. Maple, je vous en ai parlé notamment pour un prêt qui n'avait pas été honoré, pour un total de 36 millions de dollars euh, par autogonal trading. Et là, a priori, on a encore 18 millions qui sont en train d'arriver. Ça représente quand même 66% des quatre poules de liquidités qui avaient été mises à disposition. Donc, ce qui est colossal. On ne sait pas trop comment Maple va s'en sortir. En tout cas, ce qu'ils ont effectué, c'est qu'ils n'ont pas bloqué les retraits. Ils ont euh, autorisé les retraits proportionnels. Euh, à ce qu'il reste en fait tout simplement ça veut dire quoi ça veut dire que si vous aviez déposé par exemple 5% de la poule de liquidité bah vous pouvez récupérer 5% de ce qu'il reste voilà tout simplement ça veut dire que voilà ça va être proportionnel c'est pas le premier arrivé premier enfin le premier parti premier servi ça ne fonctionne pas comme ça ce qui est un bien ou un mal en tout cas tous sont récupérés peuvent récupérer une partie de leur liquidité ça n'empêche que ça va faire relativement mal aux différents acteurs et c'est pour ça que j'avais lancé l'alerte à l'origine sur Midas Midas avait déjà pris euh, des dispositions pour pouvoir partir de Maple ils avaient confirmé leur départ il y a une semaine heureusement parce que là on aurait eu une perte sèche et en tout cas peut-être qu'on va avoir d'autres personnes qui vont être impactées dessus est ce que vous connaissiez euh, Maple est ce que vous avez déjà utilisé Maple est ce que vous êtes touché par Maple dites-moi tout en commentaire et je prépare l'analyse technique tout de suite. Je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description. C'est gratuit. C'est un lieu d'échange d'informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et tous ceux qui veulent soutenir le Discord tout en continuant à se former, bah nous avons mis en place un premium avec plein de contenu, plus de 100 vidéos et 300 pages de formation, structuré autour d'un parcours pédagogique. Et vous y retrouverez aussi dans ce premium plein d'autres choses comme des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs que je fais quotidiennement sur le marché. Globalement, plein d'autres contenus pour pouvoir progresser. Rapidement, je vous mets un petit lien en haut à droite pour les curieux et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.